pièce du Moyen-Âge, le Kyrie de la messe grégorienne hors des spectacles. À travers cette pièce, nous nous plongeons dans l'atmosphère de l'abbaye de Chamonix, où fut créée la première entrée des petits chanteurs africains de rock par deux étudiants, Martin et Berthier. Ils avaient décidé de créer une maîtrise qui irait de ville en ville, d'église en église, chante des splendeurs des musiques anciennes. Cette première partie du concert est dédiée à la musique sacrée, un des cinq répertoires propres à la manière antique. Ces cinq répertoires sont la musique sacrée, la musique profane dite classique, la musique actuelle, les chants traditionnels et la musique du monde. À présent, nous interprétons Regina Jean du temps pascal, qui fait partie des pièces les plus anciennes de notre répertoire. Regina Jean, l'Égypte. Thank you.
sans ascendeur de la paix. Ce n'est pas pour partir quelqu'un, la paix de Dieu, la paix de Dieu, c'est le deuxième, c'est le pas. Nous avons dans notre temps côté l'offertoire du jour de la paix, du jour de la lecture, de béatitude, l'histoire animale de l'autre. Thank you.
un champ de renaissance. Ce champ joyeux, un peu plus temporaire, nous permettra de faire la transition avec la troisième partie. Vous entendrez des chants actuels pour la quatrième partie de la musique traditionnelle et pour la cinquième, des chants de renaissance. Voici, j'entends une chanson.
intention très virtueuse. Oh, Lord.
beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et ils s'en font une image, ils imaginent ce que ça peut être, parfois on les voit, parfois c'est pas. Qu'est-ce que c'est les petits chanteurs d'accord? Comme on vous l'a dit au départ, c'est un cœur d'enfant qui a été fondé au début populaire par Berthier et Martin. Ils l'ont créé pourquoi? Pour chanter, aller chanter d'église en église, les splendeurs de la musique sacrée, de la musique profane, de la Renaissance, de la musique ancienne au départ, de la musique baroque, ça s'est étendu. La mission originelle était donc de voyager d'église en église et de ne pas être une maîtrise qui reste sur une seule église. Évidemment, chanter les splendeurs, ça passait par chanter les liturgies, évidemment. Donc, l'ordre de cette liturgie était chanté justement ces splendeurs de la musique ancienne. Puis, beaucoup plus tard, Monseigneur Mallet a repris la direction des petits chanteurs à la propre. Ce n'est pas Monseigneur Mallet qui a repris les petits chanteurs à la propre. Et donc, Monseigneur Mallet lui a donné par contre la dimension qu'on connaît aujourd'hui en le faisant, sortir des répertoires qui étaient au départ le répertoire de musique profane et sacrée ancienne, en faisant de chanter des chants nouveaux, des chants actuels, de la musique de variété, de la musique de film, chanter dans des films. Entre-temps, le répertoire avait évolué, il allait évidemment vers la musique traditionnelle française que vous avez pu entendre tout à l'heure. Et puis, Monseigneur Mallet eut une idée plus large du cœur des petits chanteurs et fonda ce que l'on appelle la Fédération des petits chanteurs ou des petits chanteurs. C'est la même chose. Une fédération qui aujourd'hui, dont aujourd'hui les petits chanteurs à la propre font toujours partie. Si je ne trouve pas la maîtrise de Chalon de Gabon. Oui. Donc aujourd'hui, cette fédération continue son œuvre et les petits chanteurs à la Croix-Rouge, dont la mission au départ était d'aller en église en église également. Avec les années qui ont suivi, les petits chanteurs à la Croix-Rouge ont reçu une mission supplémentaire de la part du pape Saint-Jean-Paul qui leur a demandé d'être les ambassadeurs, les représentants d'un instant de la paix, pas de n'importe quelle paix. Vous dire la paix des hommes, pas exactement. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et différent. La paix de Dieu, ça passe par le chant comme on a chanté tout à l'heure, c'est-à-dire le juste au point de manier de la béatitude. Chanter la paix de Dieu, ben, c'est chanter la paix du jour de béatitude de la Saint, c'est chanter Noël. C'est chanté par la résurrection du Père, la mission du petit chanteur à la Croix-Rouge et celle-ci. Donc, à présent, vous avez une zone historique très courte. Mais qu'est-ce qu'un petit chanteur à la Croix-Rouge? C'est un enfant qui rentre au sein des petits chanteurs, souvent en CM1, et qui termine en 3e. Et ce parcours est assez un vrai véritable sacerdoce. Dans quel sens? Ce sont des enfants qui sont dans l'intervalle, d'abord qui vivent en communauté. Il y a un moment que c'est une vie en vie communautaire. Ils mangent ensemble, ils sont dans l'internat, ils vont à l'école. Et pour certains, arrivent en septembre et retrouvent leurs parents en juillet. Donc c'est tout un engagement. Ces enfants, au sein de leur temps scolaire, ont 12 heures de musique par semaine. Formation musicale, vocale, chant, répétition. 12 heures dans leur temps scolaire. Leur apaisé, ça se fait très bien. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir les mêmes acquis, les mêmes savoirs que les autres enfants, mais avec 12 heures de musique dans leur temps scolaire. Mais c'est pas fini, ce serait trop simple. Donc, ils partent en tournée. Les tournées, ça fait 3 semaines, un mois, mais les tournées ne sont jamais pendant les vacances scolaires. Ils sont toujours sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'ils sont en tournée pour pas les voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, en fait, si, à l'école, ils travaillent autrement durant ces déplacements lorsqu'ils voyagent. Donc cet engagement, pourquoi? Mais c'est un engagement, d'abord pour chanter, car le chant, il essaye d'atteindre son meilleur niveau. Mais ce chant est avant tout un moyen de diffuser le message et l'annonce que le pape Saint-Jean-Paul leur a demandé d'être ses petits ambassadeurs de la paix de Dieu. Et pour cela, eh bien, ils passent à la télé, ils chantent avec les artistes à la
que c'est un cœur qui est appelé à parler à tous. Et pour parler à tous, il faut avoir le regard de tout le monde, être prêt à chanter tous les répertoires et faire afin de toucher le mouvement de l'église, mais toujours avec son nom et sa croix. Voilà, c'était simplement pour vous dire les dernières choses. Là, c'est un groupe de 133. Il y a deux cœurs, un cœur à Brésil, un cœur à Brésil. Le cœur actuel, vous allez entendre aujourd'hui, le cœur à Brésil qui est rentré il y a encore quelques jours, qui est rentré dans le monde. Toujours en Bretagne. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à l'équipe Salomon, à sa présidente, toute son équipe, d'avoir fait la publicité et la promotion d'avoir réussi cette.